Ce que j'ai particulièrement remarqué, c'est le foisonnement du fonctionnement de l'association. Dans tous les domaines, on réfléchit sur tout et c'est très impressionnant. J'ai aussi remarqué des interventions de jeunes qui nous montrent combien on a évolué. Les anciens, ils ont l'idée de fichiers uniques. Les jeunes, eux, c'est les réseaux. Et donc, on a certainement à réfléchir là-dessus. J'ai adoré la prestation d'Étienne Klein. Il me passionne vraiment. La matinée a été très intéressante. Elle s'est terminée en apothéose avec les exposés magistraux de ces deux savants. Et très satisfait d'apprendre l'évolution du déménagement à Saclay et de l'évolution du rapprochement central Supélec. Moi, c'est la première fois que je participe à une manifestation de l'association. Et voilà, je découvre de nouvelles choses. Et puis la conférence de professeur Klein était vraiment passionnante. Je viens absolument par solidarité et également parce qu'il y a un atelier sur la RSO et que c'est ma spécialisation et que je veux voir quelles sont les interventions cet après-midi en termes de responsabilité sociétale. Ce que je retiens notamment, c'est le dynamisme important de l'école à l'international, l'ouverture sur la Chine. Enfin, voilà, moi, j'ai trouvé qu'on était... On donnait une image extrêmement dynamique, même s'il y a manifestement des choses à améliorer. Et je trouve ça bien en tant que centralien. Moi, je trouve ça bien. J'ai l'impression que les choses vont dans le bon sens.